Bonjour les élèves, aujourd'hui on aborde ensemble le sujet de l'imparfait, c'est-à-dire que vous apprendrez à situer une action dans le passé. Alors, tout d'abord, d'habitude, on utilise l'imparfait pour faire quoi? Alors, 1. Pour exprimer une action qui se répète au passé. Exemple, l'année dernière, j'allais jouer au basket tous les vendredis. Azione ripetitiva nel passato, tutti i venerdì andavo a giocare a basket. Il est utilisé aussi pour faire une description. Hier, le ciel était bleu, il faisait chaud. Descrizione al passato, il cielo era bello, faceva caldo, giocavo a calcio, eccetera. Pour parler d'une habitude, tous les après-midi, je jouais avec mon ami. Tutti i pomeriggi, abitudine, quindi tutti i venerdì, tutti i pomeriggi, ero solito, noi diciamo così in italiano, fare questo piuttosto che quell'altro. Au contraire, le passé composé se réfère à des actions plus précises dans le passé. Azione più precisa, exemple, hier il est arrivé à 8h du soir. A che ora c'è anche, è specificato, che momento della giornata, è più specifica. In realtà, per capire quale dei due tempi dovete usare, potete pensare all'italiano, perché quasi sempre, quando in italiano usiamo l'imperfetto, si usa l'imperfetto anche in francese, quando utilizziamo il passato prossimo, anche. Donc, vous pouvez penser en italien, traduire e choisir le temps verbal souhaité. Alors, on utilise le radical du verbe à l'indicatif présent avec nous. On supprime la terminaison « on » et on ajoute les terminaisons typiques de l'imparfait, qui sont « is »,« is »,« it »,« ions »,« iet »,« ient ». Alors, je vous explique mieux. Vous avez le verbe « parler », verbe du premier groupe. On transforme le verbe à l'infinitif au présent, avec nous en particulier. Nous parlons. On supprime la terminaison du présent, c'est-à-dire « on », et il nous reste le radical « parle ». Et au radical, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. J'explique mieux. Alors, abbiamo parlé. Si toglie « r », si coniuga il presente, si prende il nous, c'est-à-dire nous parlons, si toglie ons e ci resta parle, che è la radice, alla quale aggiungiamo le desinenze dell'imperfetto, che sono quelle che avete, vi ho detto prima, e che avete nella tabella blu, a côté. Dans le prochain exemple, on va voir la prononciation aussi. Je vous ai écrit les deux verbes auxiliaires, le verbo avoir e le verbo être. Il solo verbo che non segue questo meccanismo, cioè quello di partire dal noi del presente, è il verbo être. Infatti, sapete che nous sommes è il presente del verbo essere, ma vedete che la radice è diversa, è et. È il solo verbo che segue, diciamo, una regola a sé, è un'eccezione, una particolarità. Allora, vous avez le verbo être, j'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Come sentite, i primi tre e l'ultima persona sono pronunciati nello stesso modo. Autre exemple, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Stessa pronuncia, primi tre e ultimo. Je vous ai écrit des verbes à étudier. Alors, vous avez des verbes régulier du premier groupe, comme parler, nous parlons, je parlais, un verbe du deuxième groupe, c'est-à-dire finir, nous finissons, c'était donc je finissais, et puis vous avez une série de verbes irréguliers, aller, andare, venir, venire, dire, dire, boire, bere, devoir, dovere, faire, fare, prendre, prendere, sortir, uscire, pouvoir, potere, vouloir, volere, voir, vedere, connaître, conoscere.
Je vous fais un exemple. Alors, prenez le verbe aller. Vous prenez nous allons. On supprime on et on ajoute la terminaison. J'allais. Même chose pour tous les verbes. Nous venons. Je venais. Boire. Nous buvons. Je buvais. Devoir. Nous devons. Je devais. Faire. Nous faisons. Je faisais. Prendre. Nous prenons. Je prenais. Sortir. Nous sortons. Je sortais. Pouvoir. Nous pouvons. Je pouvais. Vouloir. Nous voulons. Je voulais. Voir. Nous voyons. Je voyais. Et connaître. Nous connaissons. Je connaissais. Come mi chiedono sempre i miei alunni, guardate che per l'imperfetto non è che esiste soltanto la prima persona. Vi metto la prima persona come esempio, ok? Je buvais, per esempio. Ma poi ci sono tutte le altre persone, quindi il verbo si coniuga normalmente. Fate attenzione quindi che il nu del presente si tiene in considerazione solo per poter formare l'imperfetto. Poi l'imperfetto è coniugato esattamente come tutti gli altri verbi e quindi ha tutte le desinenze in base chiaramente al soggetto che c'è appunto davanti. Spero che sia chiaro. Una cosa che non ho detto è che spero che sappiate in italiano che l'imperfetto, facciamo un esempio, io bevevo, tu bevevi, lui beveva, noi bevevamo, voi bevevate, essi bevevano. Okay, questo per inquadrare una cosa che ho dato per scontato, ma che scontato non è mai. Ces verbes sont irréguliers et sont à étudier. Vous devez étudier par cœur, vale a dire studiare a memoria. Je vous ai indiqué trois particularités. Alors, le verbe en ger, j'ai, manger par exemple, le verbe en c'est, c'est-à-dire cher. Le verbe en ie. Alors, en ce qui concerne le verbe en g, je vous explique en bref en italien. Alors, avete, nous mangeons, che è la particolarità del presente in cui si aggiunge la e solo al nous, per una questione di suono. Si parte da nous mangeons, si toglie solo ons e si aggiunge la e, cioè la e praticamente del presente rimane solo per le persone che hanno una desinenza che inizia con la A, cioè je, tu, il, elle, on, e il, elle, plurale. Quindi, je mangeais, tu mangeais, il mangeait, vedete che c'è la E. Nous mangions, non c'è la A come vocale della desinenza, quindi si lascia la ions, la desinenza normale, ions, idem per ieds, vous mangez. Invece l'ultima che ha la desinenza che inizia con la A, c'è di nuovo la I, il manger. Stessa regola per le verb en, se, al posto della E c'è la cedilla. C'est toujours pour une question de prononciation. Nous commençons, je commencé, etc. Per il noi e per il voi la C della cedilla scomparirà. Pour le verb en, ie, alors, vous avez le verbe étudier, que vous connaissez bien. Alors, vous avez nous étudions, si toglie ons del presente, rimane étudie. Si aggiungerà per il noi ions un'altra volta, quindi rimangono le due i. Stessa regola per nous envoyons, rimane la y e rimane anche la i. Copiez ces exemples et étudiez-les bien. Puis je vous ai écrit deux phrases de questions utilisées souvent pour demander cosa è successo e quando è successo. Créer des questions au passé. Alors, ça s'est passé quand? Quando è successo? Réponse, cela ou ça s'est passé il y a 2 ans. Chiaramente qui cambiate poi l'espressione di tempo. Ou, il y a combien de temps que cela s'est passé? Quanto tempo fa è successo? Cela s'est passé ou s'est arrivé il y a 2 jours. Donc ici, vous avez le verbe se passer et le verbe arriver.
okay, qui sont les verbes utilisés pour poser des questions. Puis, je vous ai indiqué aussi toute une série d'expressions utilisées pour marquer un récit, pour décrire une succession d'événements. Alors, quand vous décrivez quelque chose, vous dites au début, tout d'abord, d'abord, c'est-à-dire à l'initio, peu à peu, petit à petit, poco a poco, soudain, improvvisamente, ensuite et après, di seguito, e finalmente, che sembra voglia dire finalmente, invece è infine, e enfin. Quindi quando descrivete qualcosa, voi avete chiaramente una successione di cose da descrivere. Quindi direte all'inizio è successo questo, poi è successo questo, all'improvviso è successo questo, dopo, infine, è successo questo. Donc, vous pouvez utiliser ces expressions pour parler d'un événement passé, pour décrire quelque chose qui s'est passé avant. Et donc, vous pouvez utiliser et vous devez étudier ces expressions typiques du temps passé. Puis, je vous ai indiqué une liste des mots et d'expressions à utiliser pour toujours pour parler d'une action passée. À gauche, vous avez des mots qui indiquent des dates précises. Hier, avant-hier, l'autre jour, lundi dernier, la semaine dernière, ce jour-là, cette semaine-là, le 30 janvier, en 2010, en avril, au printemps. A Pâques, questa me l'ha tagliata, è scritto Pâques ed è Pasqua. Non sto a perdere tanto tempo, tanto avete la traduzione a fianco. Studiatele, copiatele e studiatele. A droite, au contraire, il y a le date approximative, par exemple. Il y a environ 2 ans, circa 2 anni fa. Vers 2002, dans les années 60, il y a longtemps, autrefois, au XXe siècle. Au début, à la fin du XXe siècle, avant, pendant, après la Seconde Guerre mondiale. Avant et après sont diversi, gli alunni tendono sempre a sbagliarlo. Avant et prima, et après et dopo. Enfin, vous avez un petit exercice à faire, donc je vous laisse comme devoir ce petit exercice. Alors, j'ai copié un texte quand j'étais plus jeune et vous avez deux petites descriptions à lire, à traduire et vous devez faire la même chose. Donc, écrire un petit texte dans lequel vous résumez une expérience passée en employant l'imparfait ou nécessaire et le passé composé ou nécessaire. Donc, faites cet exercice et je vous souhaite un bon travail. Je vous ai écrit aussi que l'imparfait est le temps parfait pour parler de ses souvenirs. Souvenirs, vous savez, sono i ricordi, no? I souvenirs che portate a casa dei viaggi sono i ricordini. Donc, écrivez un petit texte dans lequel vous parlez de vos souvenirs. À la prochaine vidéo et à bientôt!